Dans la vie, il y a trois catégories de personnes. Celle qui suit le vent et qui prend ce qu'on lui donne. Celle qui n'a aucun but et qui tente de ne pas se noyer sous toutes les peines que l'on peut traverser. Et celle qui sait exactement ce qu'elle veut et qui sait comment l'obtenir. J'ai toujours fait partie de cette dernière catégorie. Fonceuse et qui n'a peur de rien. Depuis toute petite, je savais que je voulais devenir chef cuisinière. Et je me suis battue pour réaliser mon grand rêve. Ouvrir et tenir mon propre restaurant. Ah oui, je l'ai bien mérité. Et puis, on ne profite pas suffisamment de ce que la vie nous a offert avant que cette dernière ne joue une nouvelle carte. Et petit à petit, avant même de s'en rendre compte, on bascule dans une seconde, voire une troisième catégorie. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Charlotte et bienvenue dans ce tout nouveau Let's Play dans les Sims 4. J'avais trop hâte de vous le montrer, de vous le partager. Avant de commencer, je devais vous dire que, à la base, ce devait pas être ce Let's Play qui devait sortir, mais un autre. D'ailleurs, vous avez pu voir un des personnages dans le machinima d'intro, sauf qu'il demandait beaucoup plus de temps de préparation. Voilà, mes idées, mon imagination, elle a été débordante sur cet autre let's play. Donc je me suis dit, à la place, je vais vous proposer un autre let's play un peu plus court. Voilà, c'était le concept de base, sauf que une nouvelle fois, mon imagination a pris le dessus. Et du coup, ce petit let's play qui devait être assez court, eh bien, il y aura pas mal de choses et il sera un peu plus long. Mais bon, en tout cas, j'avais trop hâte, je me suis attachée aussi au personnage et tout, donc j'avais trop hâte de vous montrer ça. Et là, enfin, c'est le jour tant attendu. Alors, pour vous résumer un petit peu la situation, donc vous avez vu le machinima d'intro juste avant, on a Amanda et David, que nous voyons juste ici à l'écran. Ils sont concubins, tous les deux, voilà, je précise. Donc nous avons Amanda qui a fait beaucoup d'économies durant sa vie pour s'acheter le restaurant de ses rêves, qu'elle puisse le gérer, s'occuper des employés, des plats proposés, des clients et tout ça. Elle était ravie. Sauf que malheureusement, il y a eu un incendie et l'assurance n'a pas pu rembourser le restaurant à Amanda. Donc, elle se retrouve sans restaurant, chez David. Voilà, son but dans la vie. Donc, elle est un peu en mode dépression en ce moment. Et il y a David qui lui est pas du tout plongé dans la cuisine comme Amanda, il est plutôt explorateur de lieux insolites, on va dire, et ébéniste. Donc ce qu'il aime, c'est sculpter dans le bois et partager ses trésors qu'il a découverts durant ses voyages à d'autres personnes. D'ailleurs,
Lui, il a une boutique qui va bientôt ouvrir. Donc là, pour l'instant, ils sont en vacances tous les deux. Et je pense que j'ai tout dit. C'est parti! Comme vous pouvez le voir, nous sommes en vacances dans la jungle à Selva Dourada. C'était un lieu que David voulait absolument explorer. Et donc, le voici. Il est 7h du matin. David, tu vas déjà nettoyer ton plat. Et du coup, comme ils sont en vacances déjà depuis un certain temps, enfin quelques jours déjà, David va continuer ses recherches, ses trouvailles dans la jungle. Et puis, de toute façon, Amanda, elle est complètement endormie. Et puis, de toute façon, elle est triste. Donc, elle a envie de rien faire de sa vie. Voilà, elle est au bout de sa vie. Donc, pendant qu'on va partir en exploration avec David, voilà, Amanda va rester gentiment ici. Justement, David, vu qu'on en parle, tu vas un peu te laver les dents. Et puis après, on va pouvoir partir explorer la jungle, faire des trouvailles. Parce que les trouvailles seront les objets, les produits que l'on vendra dans le magasin. En attendant, nous, on va explorer un peu les environs. Il faudrait un peu des trésors et tout. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Examiner trois pièges. Ah, ça, c'est dans le temple. Voilà, donc comme ça fait un petit peu longtemps qu'ils sont là, bah forcément, l'aspiration, elle a été un petit peu complétée. Donc, on va se déplacer. Donc, nous voici donc dans cette partie de terrain. On va aller, tiens, creuser, créer un site archéologique. Et puis après, on va creuser. Et puis après, on va s'enfoncer dans la jungle. Donc, pour ce début de let's play, forcément, on va s'occuper beaucoup de David. Parce que de toute façon, Amanda, elle est en dépression. Et puis, petit à petit, on verra comment Amanda se reconstruira. Et puis, l'évolution de leur vie, tous les deux. David, le coq, du coup, lui, il veut devenir explorateur de la jungle. Au niveau de ses compétences, forcément, il a une bonne compétence d'archéologie, également en bricolage. Et puis après, culture selvadorasienne, elle est plutôt bien élevée aussi. Il aime bien aussi tout ce qui est compétences de fitness, de sport, tout ça. Au niveau de sa famille, du coup, bon, on connaît pas le père, mais il a un frère qui s'appelle Mathieu, qui lui vit à Oasis Springs, il est pompier. On le rencontrera un peu plus tard dans le let's play. Et au niveau de ses traits, il est donc collectionneur, forcément, aventureux, cultivé et sans chaud. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de détailler plus. Voyez un petit peu le personnage. Alors, on va rentrer dans la jungle. Regardez-moi ces beaux paysages de la jungle. Je trouve que c'est quand même un beau pack. Il se promène tranquillement. Ah, mais lui, du coup, aussi, il est sur son portable. À savoir, je n'ai pas le pack du lycée, là, année au lycée. Du coup, je pensais que le fait de marcher avec le téléphone en main, c'était inclus que dans le pack, mais apparemment non. Voilà, compte découverte. De toute façon, comme vous l'aurez constaté, je n'ai pas du tout tous les packs. Et je me contente très bien de ce que j'ai. Mais par contre, je pensais pas qu'il allait utiliser le téléphone comme ça tout le temps. Alors, nous sommes là. On va essayer de rentrer dans le temple. On va d'abord fertiliser la plante. Et puis après, on va descendre pour espérer passer les barrières. Activer. Vu qu'il n'a pas de compétences logiques, forcément, on ne sait pas trop ce qu'il va activer. S'il va activer le piège ou pas du tout pour ouvrir la porte ici. Ah, non, c'est pas le bon. Bon, évidemment, c'était la dernière option. Mauvaise action, ce n'est pas du sable, mais de la poussière. Dos, Burke. David est puni pour avoir activé les défenses du temple. Ah. Ah ouais, maintenant il est crade du coup. Bon bah du coup on va activer la dernière option. Hein. Oui, elle est ouverte, enfin. David a esquissé les défenses du temple et la porte s'est ouverte. Il peut désormais s'aventurer plus loin dans le temple pour voir quelles récompenses l'attendent. Oui, des récompenses, mais il y a également beaucoup de pièges. Notamment ici, on va peut-être pas essayer de passer, il y a normalement un petit truc, voilà. On va examiner. Ah, il y en a deux en plus. On va examiner les deux. Étape terminée. Se défendre contre deux dangers de la nature. Ok. Où est-ce que tu vas? Non, non, non. Attends. Tu veux pas examiner également celui-ci, s'il te plaît? Assembler une relique mystique. Atteindre le niveau 5 de la compétence culture selvadoranienne. Bon, et on peut essayer de complimenter les sculptures. On va faire une option et puis après, on va rentrer. Ah! Mince, c'était la mauvaise option. Donc, mauvaise action. Je pense qu'on va rentrer au logement, tout simplement. On va un peu aller voir Amanda, savoir comment elle va. Bon, même si on n'était pas là de la journée, on va essayer de lui remonter le moral en partant au bar. Voilà, on va d'abord manger
se doucher surtout, et puis après on va essayer de lui remonter le moral en visitant un petit peu la ville. Nous voici de retour au logement. Alors, on va prendre une douche rapidement déjà. Amanda, elle est toujours très triste. Elle va peut-être aller aux toilettes pour faire. Elle a fait une activité de la journée, quoi. Ils vont maintenant partir. Il est 19h. Ils vont partir au bar directement. Ok, les voilà arrivés. Bon, écoutez, ils vont aller prendre quelque chose à manger. Commander à manger, tacos au poisson, voilà. Je pense que Amanda, elle ira également manger, mais elle, ça sera plus des chips et sauce mexicaine, voilà. Elle se laisse un petit peu aller. On va un petit peu parler avec Amanda qui a l'air vraiment très très triste, hein. Franchement, là, David, il essaye vraiment de lui remonter le moral, mais bon, c'est pas gagné d'avance. On va essayer de lui remonter le moral en lui racontant une histoire drôle. Bon, du coup, il va un petit peu partager, parler de différentes cultures avec Madame, discuter du patrimoine local avec Manuela Delgado. Bon, j'ai l'impression que cette petite virée un peu à l'étranger, loin de la vie actuelle, fait du bien quand même à Amanda. Et si, il y a un petit marché juste ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre? Ça, c'est quoi? Chauve-souris. On peut essayer de prendre. On va en prendre deux. Attendez, on va marchander d'abord. Ah, en fait, il faut marchander plusieurs fois, c'est ça? Ok. On va acheter un petit peu tout. Ça peut nous servir pour demain. Et puis après, je pense qu'on va rentrer. On va juste se présenter de manière salvadoradienne. Et puis après, on pourra rentrer à la maison tranquillement. Je pense que tous les deux, ils commencent à être plutôt fatigués aussi. Nous voilà de retour. Écoute, est-ce que tu peux être un petit peu romantique avec ta femme? Complimenter la tenue, pourquoi pas? Pour un petit peu lui remonter le moral. Amour, on va un petit peu l'embrasser. Et puis après, je pense qu'ils iront au lit tous les deux. Allez, bonne nuit. David se lève, il est 8h, tranquillement. Il y a des restes, on va pouvoir prendre ça. Amanda, elle est triste toujours. Elle va aller utiliser les toilettes et peut-être prendre plutôt un repas rapide parce que elle n'a pas du tout envie de manger bien. Sandwich beurre de cacahuète. David, lui, il a besoin de beaucoup d'énergie parce qu'il va aller explorer la jungle une nouvelle fois, alors que Amanda, elle va encore rester à la maison pour pleurer. Remarque, elle pourrait peut-être l'accompagner dans ses aventures. Je pense que David, il va essayer de la convaincre de venir, mais ça va pas le faire. Elle va dire non, je peux pas, j'ai pas envie, j'ai le cœur à rien. Et David va lui expliquer que justement, c'est le moment de passer, d'essayer de passer à autre chose. Ça fait déjà quelques mois que son restaurant il a brûlé, donc pourquoi pas essayer de nouvelles aventures. Tu pourrais peut-être m'accompagner pour ce dernier jour avec moi dans la jungle. On pourrait essayer de faire quelque chose d'amusant tous les deux. Peut-être que ça te changera les idées. Ouais, non, pas envie. Tu pourrais enfin passer à une nouvelle étape de ta vie. Tu verras, ça sera bien. Ah, et là, elle se dit, oui, bon, bah, arrête de me saouler avec ça. Je viens avec toi juste pour cette fois. Super, il est très content. On va l'enlacer pour lui dire merci beaucoup. J'avais envie que tu sois là, que tu sois ma partenaire dans cette aventure dans la jungle. Alors, les voilà dans la jungle. On va aller, comme la dernière fois, au temple. Vu que là, le chemin, il est déjà tout tracé, ça va être plus sympa pour Amanda de visiter finalement que la forêt, quoi. Ok, nous voici au temple tous les deux. Donc là, toutes les options, elles étaient mauvaises. On va essayer les autres options à côté. Activer, on va faire raconter une blague de squelette. Voilà. C'est bien parce que du coup, Amanda, ça lui permet de voir un petit peu autre chose et puis de se concentrer plus sur le chemin à parcourir, donc les énigmes à résoudre, que de ruminer toute sa vie dans sa tête, le restaurant qu'elle a perdu et tout ça. Ok, Amanda, tu peux peut-être te mettre là et tu diras à ton concubin si l'interrupteur qu'il a activé est le bon ou pas. Je crois que c'est pas le bon. Bon, bah, on va complimenter les sculptures alors dans ce cas. Ok, c'est ouvert, super. Maintenant, ils vont pouvoir réfléchir à deux. Donc là, il va déjà ouvrir le coffre de trésor. Puis Amanda, elle va se balader un petit peu dans cette salle antique. Alors, il a découvert des trésors magnifiques.
En attendant, tu vas examiner un petit peu les pièges, David. Puis Amanda, elle va encore se promener. Voilà. Ensuite, elle va s'asseoir par terre. Voilà. Elle va attendre. Qu'est-ce qu'il y a? À frôler la catastrophe déclenche les défenses du temple. Waouh, David a fait une erreur en tentant de désactiver les défenses du temple, mais s'en est sorti indemne. La prochaine fois, il devra être plus prudent. Zut, aucun de ces clencheurs n'ouvre la porte. Il faut examiner un autre mécanisme. Bon, maintenant que ça fait quand même un moment qu'elle est là, elle va essayer de. Bah, elle va lui dire, non mais attends, j'en ai marre et tout. Pourquoi on est là? Pourquoi tu m'as fait venir? Au final, tout ce que je fais, c'est attendre, à rester assise là. Elle en a marre d'attendre. Dans un endroit, dans une cave, sous un souterrain, c'est n'importe quoi. Elle a froid presque. Bon, est-ce qu'il y a un truc qui. Ah, il y a un mécanisme qui ouvre la porte. Là, elle lui explique. Bah écoute, j'ai trouvé le mécanisme. Normalement, on devrait accéder à l'intérieur du temple plus profondément, quoi. Ouais, j'en ai marre. En plus, ça capte pas. Super, il a réussi. Donc, ils sont arrivés là. Il va aller chercher le trésor. Amanda va lui dire, bon, j'en ai marre d'attendre. C'est n'importe quoi. Je voulais juste passer une petite journée à rien faire. Et toi, tu m'as obligée de venir. Avec toi, franchement, il y en a marre et tout. Je vais rentrer toute seule. David va essayer de la rassurer en lui disant, mais t'inquiète pas, on va rentrer. Ça va être rapide, je fais encore un dernier tour et puis après on s'en va, t'inquiète pas et tout. Amanda va dire non, mais j'en ai marre et tout. Ça fait 2 heures que tu me dis ça alors que moi je fais rien, je m'en vais. Amanda va rentrer et David il va un petit peu examiner les choses autour, creuser un petit peu ici. Voilà, il en a marre maintenant, il est tendu. Il voulait lui faire plaisir, au final ça s'est retourné contre lui. Commence à discuter avec Fala, je sais pas trop quoi là. Qui est-ce qui vient nous voir? Ah, s'il y a bien quelqu'un qui va un petit peu parler avec le squelette. On va un petit peu parler peut-être de culture, parler des différentes cultures locales. Ah, il aime le violon. D'accord. Bon, c'est bon à savoir si jamais on rencontre. C'est quoi cette danse? Voilà, pour l'instant, il s'est disputé avec Amanda, donc il va pas rentrer tout de suite, quoi. Il va se dire, je vais la laisser tranquille, le temps qu'elle se calme un petit peu, et puis après, je reviendrai vers elle. Mais pour le moment, c'est. Moi aussi, elle m'a énervée, quoi. Sinon, j'avais vu peut-être qu'il y avait une entrée. Là, il y a un nouveau. On va essayer de se frayer un autre chemin. Voilà. Il va vraiment passer tout son temps dans la forêt, dans la jungle. Il n'y a pas d'électricité dans l'air et cela vient d'un groupe de lucioles électrisant. David sourit en pensant à la poudre isolante qu'il a avec lui et se prépare à se protéger contre les décharges électriques envoyées par ces insectes. Ah, bah, vous voyez? Ça, c'est toujours utile d'avoir plein de choses dans son inventaire. Comme ça, au moins, ça permet de se protéger contre les insectes toujours les plus bizarres qui soient. David se fraye un chemin dans la jungle lorsqu'il manque de trébucher sur un gros œuf bizarre. Qui sait quel genre de créature il y a à l'intérieur? Que doit faire David? Donc soit ne pas toucher l'œuf, soit examiner l'œuf. Vous savez quoi? On va quand même toucher, même si on n'a pas la compétence physiologie. Alors, œuf extraterrestre. David ne sait pas trop quoi faire de l'œuf et le secoue assez fort. Il entend alors un rugissement dans les buissons à proximité. On dirait que le parent de l'œuf n'apprécie pas vraiment le comportement de David. La tête d'une gigantesque créature sort des buissons et crache du feu sur David. Il parvient à s'enfuir, mais est légèrement roussi. Bon, bah tu sais quoi exactement? Tu vas rentrer à la maison. Je pense que là maintenant c'est nécessaire. Nous voilà de retour à la maison. Ouais, David, il vaut mieux que tu prennes une bonne douche. Non, d'ailleurs, tu vas prendre un bain directement, prendre un bain de mousse. Comme ça va te divertir en même temps parce que le divertissement, il est pas dingue non plus. Après, vous voyez, il y a plein de trucs qu'on va devoir authentifier. Donc ça sera à la maison, bien sûr. Quant à Amanda, elle est déjà au lit en train de dormir. On dit que c'est pas bien de se coucher en étant énervé. Mais c'est des situations exceptionnelles. Voilà. Ils vont se rabibocher après, par la suite. Et après, il va aller au dodo. Allez, bonne nuit. Ok, notre chère Amanda est levée. Bon, toujours de même humeur, hein, finalement. Est-ce qu'elle peut prendre une douche genre triste ou pas? Non. Elle va prendre un bain dans ce cas.
Et puis encore une fois, elle va manger un repas rapide, hein. Elle va prendre un yaourt. Elle a tellement pas faim. C'est la dernière journée avant de rentrer à la maison. Bon, David, vu qu'il s'est couché à 4h du matin, il a le droit à une petite classe matinée. Mais bon, vu que c'est pas son genre, il va se lever, il va utiliser les toilettes, il va essayer de se rabibocher avec Amanda. Voilà, il va lui dire « Je suis désolée de ce qui s'est passé hier. On était tous les deux dans le mal-être. Quand je suis dans mon truc, en général, je pense pas autant. J'apprécie vraiment que tu m'en consacres du temps. J'apprécie tous tes efforts que tu as fait hier pour juste être venu avec moi. C'était un peu le but. Je suis désolée. J'espère que tu iras mieux. Je voulais te changer d'air et voilà. » En un sens, j'ai beaucoup apprécié. Merci de m'avoir accompagné durant ces vacances. Tu verras, le temps passe et ça va passer. Tu sauras quoi faire de ta vie. Ne t'inquiète pas, je serai toujours là avec toi, quoi qu'il arrive. Je ne te laisserai pas tomber. Et toi aussi, ici. Comme ça, vous pouvez prendre une photo ensemble. Voilà, ça fait des petits souvenirs. Donc, je pense qu'on va rentrer. Nous voilà donc arrivés à la boutique. Donc, vous l'avez vu dans le générique. C'est la petite maison d'Amanda et de David. Au niveau du rez-de-chaussée, c'est la boutique. Bon, pour l'instant, elle est assez vide, mais elle va être remplie par les trouvailles de David. Et à l'étage, nous avons l'appartement de notre couple. Juste ici, voilà, comme ceci. On va voir les photos déjà qu'on a pu avoir. Ça fait quelques petites photos souvenirs. Alors, David, quant à toi, ce que tu pourrais faire, c'est peut-être essayer d'authentifier quelques objets. Et puis nous, c'est sur ce qu'on va s'arrêter. Je pense qu'on a fait... Voilà, c'était la journée d'introduction et de fin de voyage dans la jungle de David et Amanda. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours super plaisir. Je ne sais pas quand est-ce que sera la suite. Je vais essayer de publier régulièrement. Mais du coup, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous serez au courant de la nouvelle sortie d'une vidéo. N'hésitez pas à activer la cloche également. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures dans les Sims 4. Portez-vous bien et c'est un ciao !